Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, nous nous tournons vers les productions agricoles les plus profitables pour l'Afrique, sans oublier leur transformation. Mais tout de suite, voici les titres. Tiré parti au maximum des cultures de rente, l'effort gagne du terrain dans les filières du café et cacao au Cameroun. Notre défi majeur est de pouvoir faire consommer le café localement d'abord, parce que nous avons tendance à exporter toute notre production. La Guinée prend le train de la culture des anacardiens en marche, une ruée vers un secteur en expansion qui mise sur des unités de production locale. Et c'est en 2017 que j'ai eu l'initiative de faire la plantation d'anacard. J'ai vu la potentialité de l'anacard à long moment, parce que ça peut nous donner beaucoup de richesses. Recycler les déchets en pavés écologiques de revêtements de route, c'est une solution environnementale qui fait son chemin en Afrique et elle arrive à Bamako. Ça, c'est juste pour protéger l'environnement. Les plastiques sont biodégradables et c'est une activité qui permet non seulement de maintenir la salubrité dans la commune et aussi voilà, de lutter contre la pollution de l'environnement. Vous le savez, la transformation des matières premières est devenue une priorité pour de nombreux pays du continent. Industrialiser en vue de mettre sur le marché des produits destinés à la consommation locale gagne du terrain. Cela devient même un objectif affiché pour les autorités et les acteurs dans plusieurs filières. Le secteur du café et du cacao s'inscrit dans cette tendance. C'est ce qu'a découvert notre correspondant à Yaoundé, Aboubakar Sidik Mounchili, lors du festival du café et du cacao qui s'est tenu dans la capitale du Cameroun. Regardez. Des stands d'exposition pleins de produits variés issus de la transformation locale du cacao ou du café. Des milliers de visiteurs chaque jour qui découvrent parfois pour la première fois les prouesses des industriels locaux de la filière café-cacao. Nous sommes ici à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, capitale du Cameroun, pour le festival Cacao et Café. Très impressionné parce que les Camerounais ont une technologie qui n'est pas suffisamment valorisée. Il y a des produits originaux là, qui pourraient même être exportés en Europe. On a tantôt découvert ici qu'on pouvait faire du vin avec du cacao, de l'huile de massage avec du cacao. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas par exemple. Vous voyez que si je ne venais pas ici, je n'allais jamais être au courant. J'allais me diriger vers des produits pharmaceutiques alors que nous avons déjà des produits ici qui peuvent forcément parler à ces problèmes-là. Suspendu à cause de la COVID-19, c'est le retour du plus grand événement annuel, attractif et promotionnel autour du café et du cacao camerounais. Avec une particularité, c'est la première édition jumelée des anciens festivals camerounais du cacao et du café. On fait comprendre aux Camerounais que c'est important de consommer local pour la plus-value, pour que les producteurs au niveau local s'en tirent davantage. Quelquefois, il y a que c'est meilleur en termes de qualité. Pour cette nouvelle édition, l'accent est mis sur la valorisation du cacao et du café camerounais en particulier et africain en général. Cela consiste notamment à entraîner tous les acteurs de ces filières à profiter au maximum de la production de ces cultures de rente. Notre défi majeur est de pouvoir faire consommer le café localement d'abord. Parce que nous avons tendance à exporter toute notre production. Certains participants ou exposants viennent d'autres pays producteurs comme la Côte d'Ivoire. Un pays engagé comme le Cameroun a misé sur l'industrialisation et la consommation locale en tant que levier important de l'économie. Ceci malgré un contexte global particulier marqué par la chute des productions à cause du dérèglement climatique, le vieillissement des champs et de la main-d'œuvre, la demande croissante de matières premières par l'industrie locale et l'embellie des prix sur le marché mondial. La question du Made in Africa ou de la transformation de nos produits est une question cruciale que nos gouvernements et nos structures de développement ont commencé à aborder depuis un certain nombre d'années. En effet, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et puis le troisième pays producteur africain de café. Au-delà donc des questions de productivité, nous nous sommes rendus compte qu'en ne maîtrisant pas la question de la valeur ajoutée, nous ne pourrons pas capter le maximum des revenus pour nos acteurs nationaux.
Mais comment réussir l'industrie de la transformation et de la consommation locale si la double équation de la production suffisante et de qualité avec une rentabilité rassurée pour tous les acteurs n'est pas résolue? Cette question essentielle, porteuse d'un enjeu énorme, préoccupe aujourd'hui tous les maillons de la filière au Cameroun. Au niveau de la transformation, ça encourage qu'il y ait une économie d'équipements et des matériaux dans un premier temps, peut-être sont importés, mais on est appelé au Cameroun à pouvoir les fabriquer. Le Cameroun affiche l'ambition de faire passer la production nationale de cacao à 640 000 tonnes d'ici 2030 et celle du café autour de 160 000 tonnes. Elles étaient respectivement de 262 112 tonnes pour le cacao et un peu plus de 38 000 tonnes pour le café au cours de la saison 2022-2023. Pour ce faire, un guichet producteur du Fonds de développement des filières cacao et café a été lancé en 2021. Il se propose d'injecter 50 milliards de francs CFA dans ces filières en 5 ans. Et ce n'est pas tout. Plusieurs projets sont en cours d'exécution sur le terrain, à l'instar du projet New Generation piloté par un partenaire privé et qui cherche à résoudre l'épineux problème du vieillissement des terres et du stock paysan. Nous avons pu bénéficier de l'accompagnement du Conseil interprofessionnel du cacao du café CICC, appuyé par le gouvernement, pour rajeunir le stock de producteurs actuels. Donc nous parvenons à convaincre nos jeunes qui sont en ville pour entrer au village, bénéficier chaque année d'un hectare de cacao. Et au terme de 3 ans, vous avez 3 hectares de cacao en production. Et avec 3 hectares qui sont rentrés en production, vous connaissez le prix, ils bénéficient de tous les équipements nécessaires pour la production. La seule condition qui est demandée aux jeunes, c'est de disposer de 3 hectares de terrain. Alors que les planteurs de cacao du Cameroun ont été les grands gagnants de la flambée des prix de cette année, l'heure est à la préparation de lendemain qui pourrait être moins brillant. Capitaliser, préparer l'avenir, acheter nouvelles parcelles ou de l'équipement sont des priorités. Les choix opérés par plusieurs pays africains pour booster véritablement les filières café et cacao s'inscrivent dans cette dynamique et pourraient contribuer à faire profiter durablement tous les acteurs de la filière de cette embellie économique. Et pour clôturer ce dossier, sachez qu'une nouvelle chocolaterie de 3000 m² d'1,5 million d'euros est en construction au nord de Yaoundé. Il s'agit d'un projet porté par le chocolatier français Olivier Bordet. Il n'est pas le seul à investir en Afrique centrale puisque le groupe belge Puratos annonce également l'installation d'une usine de transformation spécialisée dans la production de pâtes de cacao. Cette fois, c'est au sud du Cameroun que cette usine d'une capacité de 5000 tonnes par sera installé et s'appuiera sur les coopératives locales. Au Nigeria, le taux d'inflation a continué d'augmenter en mai en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires, des loyers et des transports. L'inflation des prix alimentaires s'est particulièrement accélérée pour atteindre 40,66% le mois dernier. L'augmentation du prix des pommes de terre, du poisson et de la viande a contribué à la hausse, tandis qu'une grave maladie des tomates a fait grimper leur prix en flèche au cours des 3 derniers mois. Le gouvernement envisage de suspendre les droits d'importation sur certains produits alimentaires de base et il est en pourparlers avec les syndicats pour augmenter le salaire minimum. La production de noix de cajou en Afrique de l'Ouest a augmenté de 23% l'an dernier avec un volume total record de 3 millions de tonnes. Il faut dire que la culture des anacardiers est particulièrement prisée dans la région avec des pays producteurs stars comme la Côte d'Ivoire qui représente 44% de la production ouest-africaine mais aussi le Nigeria et la Guinée-Bissau. De quoi faire envie à leurs voisins. En Guinée-Conakry, c'est la ruée vers cette filière lucrative qui fait déjà vivre 50 000 personnes et s'achemine vers la transformation locale. Reportage de Sayon Kourma. Des mines à l'agriculture, une reconversion inimaginable pour ce diplômé de l'Institut des mines de Guinée. Malgré ses études en géomine il y a 30 ans, Mohamed n'a en effet jamais travaillé dans l'industrie minière par la suite. Et bien que la Guinée possède la plus grande réserve de bauxite dans le monde, il a préféré s'orienter vers la culture du riz avant de découvrir un secteur considéré comme un futur centre d'intérêt pour l'économie nationale, la culture des cajous.
Au fait, l'ingénieur des mines est appelé destructeur. Or, le planteur, c'est un réhabilitateur des terrains. Après l'exploitation minière, on a besoin de régénérer les terres. Pour cela, le cajou s'y prête le mieux. Aujourd'hui, nous sommes à près de 30 hectares qui ont atteint cette maturité. Et je ne suis pas seul. À côté de moi, nous sommes aujourd'hui à près de 650 personnes, comme moi, dans la région de Farana. Ce secteur est en pleine expansion en Guinée. 60% des 33 préfectures du pays produisent aujourd'hui l'anacarde. Un secteur qui occupe plus de 60 000 producteurs, notamment dans le nord-ouest du pays à Boké et dans la région de la savane à Cancan. Parmi eux, ce commerçant qui a décidé lui aussi de diversifier ses productions agricoles. Depuis deux décennies, Fodé tire profit de ce marché lucratif des noix de cajou. J'ai évolué dans le secteur à peu près une vingtaine d'années. Mais c'est en 2017 que j'ai eu l'initiative de faire la plantation d'anacarde. J'ai vu la potentialité de l'anacarde à long moment, parce que ça peut nous donner beaucoup de richesses. Je me suis dit, pourquoi je suis un acheteur, pourquoi ne pas planter en même temps? L'année passée, chaque hectare m'avait donné 2 tonnes, 2 tonnes. Donc, dans les 10 hectares, ça va dans les 20 tonnes. Pendant les années, je fais le commerce, je ne gagne pas l'intérêt de 20 tonnes là, dans le commerce. En Guinée, la production annuelle de noix de cajou est chiffrée à près de 200 000 tonnes par campagne. Et une tonne de noix de cajou est vendue aux alentours de 1 000 $ contre 30 à 40 $ seulement pour la tonne d'alumine. À Boké, où existe une dizaine de sociétés minières, reste la région de production par excellence dans la carte. Pour créer de la valeur ajoutée et éviter l'exportation à l'état brut de cajou, la Guinée s'est inscrite dans l'industrialisation. Ici, la FAO appuie le pays pour la construction de cette unité de traitement. Et nous avons des problèmes d'écoulement des produits. Par exemple, quand vous prenez cette année, vous allez, on a eu des difficultés, il y a beaucoup de difficultés pour le transfert, pour la commercialisation, disons. Maintenant, si nous avons cette unité, ça va nous permettre de décortiquer, vendre le produit fini, soit à niveau local et même à l'exportation. Donc nous devons produire 800 kg par jour ici dans cette unité. La construction de cette unité de traitement intervient 4 ans après l'opérationnalisation de la première usine de transformation industrielle de noix de cajou à Cancan, la deuxième ville du pays. L'unité est dotée d'une capacité de traitement de 10 000 tonnes de matières premières par an. Des produits qui sont destinés au marché mondial. Et nos produits sont vraiment appréciés. Au Vietnam, en Inde, en Chine, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Vous voyez, ce sont les produits finis qui sont là. Et ce qui fait la fierté de la Guinée, à l'échelle nationale et internationale, vous voyez cette qualité, WW210. C'est l'un des gars le plus cher, d'ailleurs le gars le plus cher à l'échelle internationale, dont la Guinée en a. Ça, c'est l'examen en tête de couleur blanche. Ça, c'est la toute première qualité. Voilà, recherchée par les clients. Ces noix de cajou sont source d'importantes recettes pour la Guinée. Lors des 3 dernières années, les exportations du pays sont estimées à 200 000 tonnes. Un chiffre qui pourrait s'accroître grâce à la politique mise en place par l'État guinéen. Mais les autorités de Conakry veulent mettre surtout l'accent sur la transformation sur place. Parce que l'enjeu finalement, ce n'est pas en exportant le produit que nous allons gagner beaucoup plus. C'est en faisant de la transformation sur place. Et pour qu'on puisse réussir cette transformation, il faut que nous soyons capables sur le terrain de regrouper les gens en coopérative, et ce qui nous permettra d'aller chercher de l'argent, d'aller voir des partenaires au développement pour mieux accompagner les acteurs. Et c'est là où nous pourrons véritablement avoir à lutter par exemple contre la pauvreté, à aider les femmes sur le terrain à mieux travailler, à mieux les accompagner, à mieux les outiller. Figurant dans le top 7 des producteurs d'anacarde dans la sous-région, la Guinée ambitionne grand. S'offrir sa part du gâteau sur un juteux marché mondial et pourquoi pas concurrencier le leader régional à Côte d'Ivoire, c'est du moins le rêve qu'on caresse à Conakry. Dans le plan de mise en œuvre de l'interprofession, il est prévu que l'interprofession se dote de centres de ressources
le centre de ressources et les centres de recherche au niveau de chaque région qui vont en principe se spécialiser dans le développement de la filière, dans les techniques culturales, dans les techniques de conservation, les techniques de transformation pour créer de la valeur ajoutée, le plus de valeur ajoutée au niveau local et augmenter la productivité de la Guinée et classer notre pays comme parmi les plus grandes nations de production de la filière de l'anacarde. Classer la Guinée parmi les grandes nations, mais aussi permettre au pays de commercialiser ses amandes de cajou sur le marché africain, car pour l'heure, le produit guinéen n'est pas exporté en Afrique et ne peut bénéficier du traité de libre-échange. Voilà pourquoi, lors de la 16e édition de la conférence annuelle du cajou de African Cajou Alliance, il a été recommandé de développer des plans marketing. Objectif, renforcer la commercialisation de l'industrie africaine du cajou. Le continent produit aujourd'hui environ 60% des noix de cajou brutes du monde. Few days after the annual meetings of the African Development Bank Group, there our shareholders unanimously approved an additional $117 billion increase in the capital of the African Development Bank Group. In the context of changing global financial architecture that we've been asked to do, we're going to be bigger, bolder, and better to feed Africa, to integrate Africa, to industrialize Africa, and to improve the quality of life of the people of Africa. That's what we call a HIFI. They have impacted on over 400 million people in the last 8 years. Africa can no longer be ignored. Over the past 8 years, we have provided close to $10 billion in support of our flagship initiatives in agriculture. Africa cannot and should not continue to export primary commodities. The door to poverty is the export of primary commodities. The highway to wealth is value addition. The future of energy transition for a world powered largely with renewable energy will actually depend on Africa. Africa also has the largest deposits of green metals, minerals, all critical for manufacturing of solar panels, battery energy storage systems, and electric vehicles. And assuring energy supply, access, and security is fundamental for Africa's economic prosperity. The African Development Bank is investing heavily in human capital. To unlock and to unleash the growth potential of Africa, we provided more than $50 billion in support of infrastructure in the last 8 years. We also launched a new effort called Alliance for Green Infrastructure in Africa. As we look at the economic prospects, they are strong, but as I close, I want to say they will require overcoming some significant headwinds. One of it is climate change. We get only 3% in terms of climate finance. The second headwind is debt. We want to make sure that we get more of concessional financing. We are not rated fairly. We are working with Africa to set up an Africa credit rating agency. The Africa we want is within reach. It's a vision Africa deserves. It's a vision we must do all to achieve. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Des minéraux critiques contre une aide financière, c'est le résultat du sommet Afrique-Corée auquel ont participé 48 pays à Séoul au début du mois, alors que les dirigeants africains ont promis un approvisionnement stable en matières premières essentielles à la transition énergétique de la Corée du Sud. Séoul a accepté de doubler son aide publique au développement à l'Afrique à 10 milliards de dollars d'ici 2030. S'y ajoute un financement à l'exportation d'environ 14 milliards de dollars aux entreprises coréennes qui souhaitent commercer et investir en Afrique.
La conférence de Bonn sur le changement climatique s'est tenue ce mois-ci sans résultat marquant. Des délégués de 198 pays étaient réunis en Allemagne pour préparer la COP29. Mais les discussions sur la conclusion d'un nouvel accord de financement climatique allant au-delà de la promesse de 100 milliards de dollars aux pays en voie de développement devront se poursuivre pour parvenir à un accord à la COP29 en Azerbaïdjan. Entre-temps, le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé un plan pour qu'elle serve d'hôte intérimaire au fonds pour les pertes et dommages convenus lors de la COP27 en 2022. Mais certains pays en développement s'inquiètent du fait que les pays développés pourraient avoir une influence trop importante sur les décisions de financement. Et pendant ce temps, la révolution environnementale est en marche en Afrique. Pour le voir de plus près, je vous emmène à Bamako, la capitale malienne, où les habitants continuent de faire preuve d'un esprit d'initiative et d'entrepreneuriat exceptionnel. Exemple avec ce jeune chef d'entreprise qui démontre que les déchets peuvent trouver une seconde vie inattendue. Sa solution, les transformer en pavés écologiques utilisés pour recouvrir certaines routes de la capitale. Notre envoyé spécial au Mali, Sayon Kourouma, nous en dit plus. Regardez. En plein jour, dans un coin tranquille de Bamako, la capitale malienne, une initiative prend vie. Cheikh et son fidèle assistant se lancent dans une démarche de collecte des déchets plastiques qui transcendent les apparences. Derrière cet acte en apparence simple, se cache en effet une mission cruciale en faveur de la durabilité environnementale. Nos caméras les accompagnent ce jour-là lors d'une collecte à Mouribadougou, un quartier en périphérie de Bamako. Pour Cheikh, 23 ans, cette initiative incarne une action éco-responsable. Ça, c'est juste pour protéger l'environnement. Les plastiques sont biodégradables et c'est une activité qui permet non seulement de maintenir la salubrité dans la commune et aussi voilà, de lutter contre la pollution de l'environnement. Les déchets sont de l'or. Voilà, on peut beaucoup faire avec les déchets tout en valorisant. Une fois les déchets rassemblés, le processus de transformation se déroule dans l'atelier. Les plastiques récupérés sont soigneusement triés puis introduits dans le four. Sous l'effet de la chaleur, la métamorphose prend forme. Les matières plastiques fondent, offrant ainsi une nouvelle vie à ce qui était autrefois de simples déchets. Cette matière fondue est ensuite versée dans des moules, donnant naissance à des pavés écologiques prêts à contribuer au quotidien des citoyens et à l'amélioration de leur environnement. Une initiative qui, au-delà de son impact environnemental, permet aux jeunes entrepreneurs de générer 20 000 CFA par jour. On peut faire 2 mètres carrés par jour. Et avec ces 2 mètres carrés-là, on gagne 20 000 francs. C'est pas mal. Nous sommes en train de nous débrouiller comme ça. Le jour dont on aura c'est-à-dire les équipements nécessaires pour faire une grande quantité, mais pourquoi pas ne pas avoir des millions par jour, un chiffre d'affaires de millions. Au-delà de la transformation des déchets plastiques en pavés, cette initiative ouvre de nouvelles perspectives. Pour Ibrahim, 19 ans, ce projet de recyclage est bien plus qu'une simple démarche écologique. Il représente une véritable opportunité pour l'avenir. C'est un projet éco-responsable. Nous croyons fermement à la perspective d'avenir que représente ce recyclage. Nous nous y investissons dans l'espoir de devenir autonomes et d'évoluer indépendamment. Mon engagement est également motivé par le fait que je peux gagner 3 000 francs CFA par jour, une somme qui répond à certains de nos besoins. Dans cette perspective, le jeune entrepreneur met en lumière un autre aspect novateur de son initiative. Les pavés qu'il produise se distinguent par des caractéristiques uniques comparativement à ceux fabriqués à base de ciment. C'est le produit fini. Ces pavés peuvent faire plus d'une centaine d'années chez vous. C'est devant les devantures et aussi par rapport à la construction des routes. Avec ça, c'est très résistant et c'est très efficace. Contrairement aux autres pavés qui ont été produits par les ciments. Ces pavés ne seront pas confinés à l'atelier. Ils embellissent désormais les rues de Bamako, offrant une esthétique nouvelle et une durabilité inédite à l'infrastructure urbaine. Nous nous rendons à Badalabougou Sema, où cette rue de 125 mètres de long et 8 mètres de large a été revêtue de pavés création de Cheikh Koulibaly. Toutes les rielles sont pavées avec ça jusqu'au fond. Voilà, pas d'autres. Voilà. Vous pouvez même voir en bas comment ça a été fait, vous voyez.
Les bennes de 10 tonnes marchent là-dessus, rien. Voilà. À une durée plus que 40 à 50 ans, hein, ou plus. Selon les propos de l'ingénieur. Donc, on tient à dire merci à Cheikh aussi pour sa contribution, quoi. Voilà. C'est des pavés qui ont été faits avec un peu de sable seulement. Un peu de sable, du flim, et ensuite, il reste tout ça, c'est déplacé. Et Cheikh Koulibaly rêve grand, faire de ce projet une entreprise prospère au cœur de Bamako afin de combattre la pollution et de diminuer les risques des maladies liées à ses déchets et son ambition. Un rêve qui prend déjà vie grâce à cette initiative prometteuse. Moi, mon plus grand, c'est quoi? C'est d'avoir les équipements, les matériels pour pouvoir produire beaucoup, beaucoup de quantités et satisfaire aussi les clients. Je compte avoir dans les jours à venir des matériels nécessaires. Vu que c'est-à-dire les déchets sont en train de poser des dégâts dans notre pays qui est le Mali, je me suis dit pourquoi ne pas chercher une solution concernant la valorisation de ces déchets-là. Selon l'Agence de développement régional de Bamako, la capitale malienne produit en moyenne 2000 tonnes de déchets par jour. Classée 16e parmi les 25 villes les plus polluées au monde, la ville des Trois Caïmans peine à gérer ses déchets. Pourtant, en 2016, l'OMS révélait que 12,6 millions de personnes avaient perdu la vie à cause d'un environnement insalubre. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Nous recevrons le styliste kényan David Ocheng. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site web africanair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.